écoutez, je suis pas mal, quoi. Et comme ça. Ah, ça le fait quand même comme ça, ouais. Non, c'est un peu trop, hein. Je m'appelle Ours Grise. Chatouille, ça, c'est dingue. Mais alors, que faire? Je me pose les bonnes questions. Oh, putain! Bonjour. À l'heure où je vous parle, je suis le plus grand spécialiste de la survie des quatre coins de l'Hexagone de la France. Aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration que le feu est très facile d'être fait si on fait gaffe à bien préparer l'ensemble des étapes nécessaires à la bonne fabrication de la flamme. Parce que c'est pas parce qu'on a la flamme qu'on a le feu. Je vous laisse réfléchir à cette méditation. Et Jean-Claude, ça se détache. Je suis tombé en situation de survie. Ça va pas être facile. Voilà plusieurs trucs pour faire un feu chaud, durable, éclairant, sécurisant, enfin, chauffant. Si on a un peu de jugeote et d'intellect, oh vache, on va y arriver. J'ai le briquet Bill. Le briquet Bill. À savoir que ça ne marche pas tout le temps. Car s'il n'y a plus le gaz dedans, eh ben ça ne marche pas. Ah, il y en a un peu. Hein. Vous l'avez entendu, là? Tu l'as entendu? Ah oui, je l'entends. Oh putain, que ça pue. Et puis, c'est bien aussi que pour les fumeurs, hein, ils ont toujours ça dans leur poche. Hein. Ou avec les paquets de cigarettes. Mais enfin, bon, il faut être fumeur. Tout d'abord, la mise en œuvre de cette méthode consiste à ne pas aussi être en altitude, car au sommet des montagnes, eh ben, le gaz, il ne part pas. Aussi, il est important de préciser, pour faire que la flamme existe, il faut conjuguer le frottement en même temps que d'appuyer sur le bouton du gaz. Et ça, si on est une femme... J'en ai vu d'autres qui se sont plantés. Hein. Ah, et ça me chatouille ça, c'est dingue. En conclusion, pour faire un feu avec un briquet, il faut être un homme de sexe masculin, être en bas d'une montagne et être fumeur. Et comme ça, on a toutes les chances de faire du feu. La semaine prochaine, nous verrons avec des allumettes.